Bonjour à toutes et bienvenue à la clinique des femmes. Je suis le docteur Ferretti Caterina, je suis gynécologue et aujourd'hui on va parler des pertes vaginales. On va voir les pertes vaginales dans des conditions physiologiques. Après on verra les pertes vaginales quand elles sont pathologiques. Et après encore, quand il faut consulter face à des pertes vaginales bizarres. Les pertes vaginales sont des pertes, comme dit le mot, sortent du vagin, sont des pertes souvent physiologiques qui servent pour nettoyer les vagins même et changent des textures et d'aspects tout au long du cycle menstruel. Dans la première partie du cycle, peuvent être blanchâtres et au milieu du cycle, autour de l'ovulation, peuvent être plus filantes et transparentes. Mais on peut retrouver aussi des pertes jaunâtres dans les culottes. Dans ces cas, pas de panique parce que ces pertes sont les pertes classiques mais qui se sont oxydées au niveau du slip. Quand alors il faut s'inquiéter quand on a des pertes vaginales? On s'inquiète quand les pertes vaginales sont des couleurs plus bizarres, donc jaunâtres à la sortie du vagin, verdâtres ou s'ils sont malodorantes et surtout irritantes, associées plus ou moins à des douleurs pelviennes. Alors dans ces cas, je vous conseille de consulter votre gynécologue ou votre sage-femme qui va directement réaliser un prélèvement vaginal pour identifier les germes qui sont responsables de votre infection et donc vous donner les traitements adéquats. Un petit conseil, quand vous avez ces pertes qui sont malodorantes et irritantes, ne mettez surtout pas des protège-slip ou des tampons.